ensuite donc application à la trigonométrie, c'est-à-dire donc formule d'Euler, formule très importante. Ma pourquoi voilà l'exponentielle est theta égale à quoi? Égale à cos theta plus i sinus theta. Ça fait nous là. On a aussi l'exponentielle moins et theta. Moins et theta égale à quoi? Donc cos est une fonction. Est une fonction paire. Donc cos du moins theta égale à cos de theta. Donc cos theta moins. Donc sinus est une fonction impair. Donc sinus du moins theta égale à moins sinus theta. Donc moins u sinus theta. Je vais faire le même. Cos du moins theta égale à cos de theta. Cos ou le sin du moins theta égale à moins sin de theta. Attention. Très. Donc il y a un cadre de l'obstacle là. Donc cirque. Donc ça, par exemple, ça theta. Ça moins theta. Oui ou non? Très bien. Donc le cos ou ça, ou elle ne ça. Mais sin ça, ou moins ça. Très bien ou là? Donc sin, cos. Donc là, je vais cos de theta ou le cos de moins theta. Ou là, sin, sin de theta ou moins sin de theta. Très bien. Donc très facile. Bien. Très bien. Donc un an, les vrais qui cos. Donc les vrais qui cos, nous on dit ça plus ça. Donc il y a ici, c'est-à-dire 2 cos theta égale à quoi? Égale l'exponentielle et theta plus l'exponentielle moins et theta. Très bien. Donc cos theta égale à quoi? Égale l'exponentielle et theta plus l'exponentielle moins et theta divisé par. C'est-à-dire première formule. Je vais dire un peu le rouge, mais c'est un peu. Cos de theta égale à quoi? Égale l'exponentielle et theta plus l'exponentielle moins et theta divisé par. Maintenant, sinus, vous allez devenir du sinus de theta. Donc, vous avez du sinus de theta, on dirait première égalité moins deuxième égalité. Yani ça, moins ça. Yani, aul mutesawiya, donc c'est maintenant, tani mutesawiya. Donc, on va être plus, moins, moins, donc on va être plus. Donc, on va être plus, cos, moins le cos. Donc, sinon, on va être plus, on va être plus, 2, on va être plus, 2, i, sinus, theta, égale à quoi? Égale à l'exponentielle, et theta, moins l'exponentielle, moins et theta. Attention. Donc, sinus θ égale à quoi? L'exponentielle est θ, moins l'exponentielle moins est θ, divisé par 12i. 12i, attention. Il y a dire i et 2, vous l'avez non. Je me souviens, c'est une mesquinesse de cause. Je vais le dire, la formule, je vais le dire. Ok? Et sinus θ égale à quoi? Égale l'exponentielle est θ, moins l'exponentielle moins est θ, divisé par 12i. Très bien. Donc il y a une sinus pour hyperbolique ou sinus hyperbolique, on peut en mener à dire ça y en dira. Ok, donc ma qui laisse me dire les coups. Très bien. Donc il y a une cité à dire, on peut en dire les coups. Maintenant c'est ça qu'a dit la deuxième, le cosinus hyperbolique de x égale à l'exponentielle x plus l'exponentielle moins x divisé par 2. Et sinus hyperbolique de x égale l'exponentielle x moins l'exponentielle moins x divisé par 2. Très bien. Donc, on est après l'élève maintenant. Cosinus hyperbolique de x au carré moins sinus hyperbolique au carré de x égale à 1. Okay. Le match moins 1. Donc, on est là. Donc, on chauffe. Donc, elle dit au carré moins elle dit au carré. Donc, ça au carré. Donc, donc là je mets au carré donc au carré exponentielle 0, ok ok plus l'exponentielle moins
plus x. Oui, sur 4. Moins ça au carré, donc l'exponentielle plus x. Oui, moins 2 fois l'exponentielle 0, bien sûr. Plus. Plus quoi? L'exponentielle moins 12x. Divisé par 4. Donc, on dirait que le moins. Quand tu parles de moins, le plus, c'est moins. C'est moins. Très bien. Donc, si tu as des radians simplifiés à ça, ça simplifie même à ça. Et ça, 2. Plus 2, donc égal à quoi? Donc l'exponentielle 0, l'exponentielle 1, donc 2 plus 2, donc égal à 4 sur 4, donc égal à 1. Donc très bien, il y a dit. Bien. Et ça, le dessus, ça fait donc on a un décombré, un décombré, un rappel 7. Il a dit, un esclave, un esclave, un esclave. Très bien. Très bien, donc très facile. Donc on a des exemples qui est-ce qui t'aide à aider, par exemple, à former le dealer. Donc, formule du lèvre qui t'aide à l'usage. Par exemple, l'intégrale. Par exemple, c'est l'intégrale. Il y a le cos de t, dt. Ou là, le cos puissance, par exemple, puissance 2. Primitif, cos au carré. Donc, ça y est, c'est difficile. Ou là, il y a l'exprimé cos au carré de cos us 1. Donc, reste qu'on choisit là, facile. Très bien. C'est-à-dire, il y a par exemple, à un primitif de cos k. K et KT DT facile, pourquoi? Donc primitif, parce qu'un fois primitif de l'aéra d'yana cercle triangulaire et l'aéra mutalati y'a aussi le cos y'a sin y'a ici moins sin ici moins cos. Donc dérivabilité que je connais le cercle, ok, il y a des dérivabilité يعني الاشتقاق وبالنسبة primitive يعني الدالة الأصلية primitive ça sens contraire primitive donc هذه مع قريب ساعي يعني derivability العكس بس أقول له فاس كنبغيو نشتقو شي حاجة donc نمشيو مع الوقت ديالنا اللي غادي فيه donc يعني العقارب الساعة فاس كنبغيو نرجعو الأصل donc خاصنا نرجعو الزمن الوراء donc عكس عقارب الساعة بس أقول له très bien. Donc, dans l'aslié snaïa, il y a primitif. Primitif. Très bien. Donc, le cos, primitif du cos, ou sin. Donc, on va dire qu'il y a un autre bel. Parce qu'il y a un chirac de cos kt. Donc, je crois que je vois un cas. Ok? Il y a un dérivé de composition. Il y a un f rangé prime du x. Là, il y a snaïa, il y a g prime du x. Fois f prime de g de x. Attention. Il y a une kt prime, les rares k. On va dire le smith, ici, la fonction trigonométrique. Très bien. Donc, le primitif de cos, l'un est sin, avec le k, donc sin de 1 sur k. Donc, sinus de kt divisé par k plus constante. On dit ça, là, aussi avec ma sinus. Primitif du, par exemple, nous dirons moins sinus de kt dt, donc égal à quoi? Égal à, bien sûr, sinus primitif de là, il y a moins cosinus, ou le primitif de moins sinus, il y a cosinus. On a regardé le de moins ici, parce qu'il y a une qui s'applique comme nice cos. Cos kt sur k, plus une constante. Très bien. Donc, par exemple, l'exemple. Exprimer cos au carré de fonction cos ici. Donc, par exemple, on va dire cos au carré. Ok? De theta, par exemple. Ou les deux x. Donc, on utilise la formule de Euler. Très bien. Donc, moins 20, bien sûr, Euler, vous êtes une bête. Moins 20, et moins 20, vous êtes une bête. L'exponentielle. Ok? Ou là, il y a la puissance n qui est donc la puissance qui est l'angle, la zawiya. Donc, on utilise ça. Donc, il y a ici à dire égal l'exponentielle px plus l'exponentielle moins ix sur 2 du tour puissance 2. Je ferai un trait. Donc, égal à quoi? Donc, cos au carré de x égal à quoi? Donc, 1 sur 4.
Voilà. Donc, moi, j'ai tapé la main. Donc, l'exponentielle est 2x plus 2 fois l'exponentielle ça plus ça, donc 0. OK? Moins, ou le plus, l'exponentielle moins pi 2x. Très bien. Donc, égal à quoi? Égal à 1 sur 4 fois l'exponentielle i 2x. Donc, il y a fois. Donc, tu veux le star. Plus, donc, non, je parlais donc 2, donc 1 sur, donc 2 sur 4, donc je parlais 1 sur 2. Plus 1 sur 4, fois quoi? Fois l'exponentielle moins et 2x. Donc égal à quoi? Égal à 1 sur 4. Donc ça égale à quoi? Égal à cos. Cos de quoi? De 2x. Plus et sinus de 2x. Ok? Plus 1 sur 2. Ok? donc, plus quoi? Donc, 1 sur 4, fois quoi? Fois ça, donc, l'exponentielle, donc, cos de moins 2x, donc, il y a 2x, moins cos, ou le moins si, moins i finis 2x. Ça ferait très bien. Donc, égal à quoi? Donc, 1 sur 4. Donc, facture ici 1 sur 4. Donc, on facture ça. Donc, on a des cos 2x. On a cos 2x, on a joué 2 cos x. Ou i sin 2x moins i sin 2x sur un simplifa. Donc, on passe ça. Ou on a un cadre de même. On a un cadre de même. On a un cadre de même. On a par exemple 1 sur 2 fois 1 sur 4. Plus 1 sur 4 fois l'exponentielle. Donc, les mets à la hadi, mets à la hadi. Donc, ça va être 1. Ou le nom, donc, on a une erreur, l'exponentielle i 2x plus l'exponentielle moins i 2x. Donc, on a une erreur. Très bien. Donc, ça, nous avons fait. Bien. Bien sûr, on a dit cos 2x. Ça y est, plus 1 sur 2. Très bien. Donc, il y a ici, c'est-à-dire, des débats très faciles. Donc, là, quelque par exemple, primitif. On va faire le donc on va sur le sujet. Donc ça, il y a un clic. Très bien, il y a dit. Donc, primitif de cos au carré de x, dit de x, égale à quoi? Égale à primitif de ça. Donc 1 sur 4 fois 2. Donc 2 fois 1 sur 4, donc égale à quoi? Égale à 1 sur 2 fois. Cosinus 2x plus 1 sur 2 et tout dit 2x. Donc le primitif de ça égale à quoi? Donc le primitif de cos égale à quoi? Égale à sinus. Donc avec 2, il y a simplifié. Donc il y a un genre. Ok, oui ou non? Donc il y a un genre. Donc il y a un sinus 2x sur 4. Attention, c'est-à-dire prime de la dire, il y a 1 sur 2 cos 2x. Vous rendez prime, vous rendez le cos, vous rendez le 2, vous simplifiez le 4, donc je prends 1 sur 2. Plus 1 sur 2 fois x, plus une constante, dire primitive. Très bien. Ça y est, donc, si vous voulez que vous fassiez les cours d'IANA, la très facile, vous pouvez vous faire sur Twitch, mais vous pouvez vous faire sur le dos. Pour Inch'Allah, il y a le très bien. Bon courage.